Salut! Bienvenue chez moi. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces pour vous aider à grossir votre popotin. Alors, si vous voulez vraiment avoir de beaux barabas, hein, de formes remarquables, je vous montre deux mélanges, des astuces, de produits qui vont vous aider à booster, donc qui vont vous aider à augmenter votre derrière. Alors, si vous voulez que ce soit augmenter votre hanche, popotin, voilà. Avant de commencer, je vous en supplie d'aller vous abonner, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et là, c'est parti! Voici le meilleur produit qui va vraiment vous aider à avoir de forme, à augmenter votre fessier, à avoir de hanches. En tout cas, ça marche très, très, très bien. Déjà une semaine d'utilisation, vous allez voir le résultat. Alors, en première position, nous avons l'huile de fenugrec. L'huile de fenugrec et puis la poudre de fenugrec. Donc, vous prenez l'huile de fenugrec et la poudre de fenugrec. Voilà. Et puis vous allez avoir besoin de maca. Non, la poudre de maca. Peu importe l'emballage, mais que ce soit seulement la poudre de maca. Poudre de maca et puis l'huile de maca. Donc, l'huile de maca, poudre de maca. Ici, je n'ai pas présenté l'huile de maca. Voilà, parce que j'ai déjà fait mon mélange et tout est fini. Donc, l'huile de maca, poudre de maca. Dans ces cartons, il y a la poudre de maca. Et puis, vous allez aussi avoir besoin de la pétamine. Ça, c'est la pétamine. La pétamine. Après la pétamine, vous allez... Après la pétamine, vous allez avoir besoin de ça. D'hexacor. Alors, si vous n'avez pas d'hexacor, vous pouvez juste utiliser C4. J'ai dit, si vous n'avez pas d'hexacor, vous pouvez utiliser C4. Ce sont deux vitamines pour grossir, voilà. Après, vous allez me prendre beurre de karité et vaseline. Alors, sans oublier le kib, ça c'est juste un échantillon, utilisez kib magie. Prenez 5 petits kib magie. Moi, je n'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé du kib magie. Ça, c'est juste pour ne pas oublier de les citer, quoi. Et puis, ça. C'est déjà une pommade faite pour grossir le fesse. Alors, je mélangeais aussi avec ces pommades que j'ai achetées dans des kiosques africains. Voilà. J'ai demandé juste si... ils avaient en pommade pour faire grossir le fesse. Ils m'ont donné ça. Alors, vous voulez les noms, pas? C'est ça le nom de la pommade. Voilà. L'huile de fenugrec, poudre de fenugrec, kib magie. Pas ça, pas des jumbo ici. Prenez 5 kib magie. Et puis, prenez la poudre de maca, l'huile de maca aussi. Et puis, d'hexacor si vous en avez. Si vous n'avez pas d'hexacor, prenez juste C4. Mais si vous avez d'hexa et C4, c'est bon. Et puis, la pétamine, sans oublier beurre de karité et vaseline. Voilà. Alors, ça, c'est mon mélange. J'ai mis la poudre de fenugrec que je vous avais montré.
presque demi sachet. Ensuite, j'ai utilisé l'huile de fenugrec. J'ai rajouté encore l'huile de maca. La poudre de maca que je viens de vous montrer. J'ai mis 10 comprimés de C4, 10 comprimés de Dexacor et puis j'ai mis aussi la pétamine. Donc, disons 100 mg d'apétamine à l'intérieur. Alors, j'ai mis du beurre de karité, 100 mg aussi parce que je l'ai chauffé. J'ai mis aussi la vaseline. Bon, je peux dire 3 cuillères de vaseline. Alors, je mélangeais les tout ensemble. Sans oublier, j'ai mis 5 kibs magie à l'intérieur. Et puis, sans oublier la pommade pour grossir le fess, j'ai ajouté en dernière position. Regardez la pâte. Très bien. Je vais essayer de le mélanger. Alors, pour utiliser la pâte, vous allez le prendre un peu dans vos paumes des mains, bien le mélanger avec vos mains et puis l'appliquer le soir avant de dormir sur le fesse avec de petits massages. De petits massages, vous commencez en bas et vous remontez. Vous commencez en bas, vous remontez. Vous commencez en bas et vous remontez. Alors, si vous voulez les hanches aussi, vous appliquez sur les côtés gauche à droite au moins 15 minutes de massage. Après, vous pouvez vous rhabiller et dormir. Je vous dis, après une semaine d'utilisation, vous allez constater des rondeurs comme pas possible. Merci pour ceux-là qui ont vraiment aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis, n'oubliez pas aussi de me suivre sur TikTok, sur Instagram. Voilà. Et puis sur YouTube. Au revoir. Bye bye.